Salut les amis! Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un cocktail à base de produits qui nous viennent des coteaux nantais. C'est une marque qui nous a contacté il y a pas très longtemps pour nous proposer de nous envoyer des produits pour faire un cocktail à l'aide de ces mêmes produits. On va faire une sangria retravaillée à base de cidre et de jus de cassis. Et on va faire une version avec et sans alcool. Pour ce cocktail, on va commencer par découper des rondelles de pommes que l'on va répartir dans nos deux pichets. On va presser le jus d'un demi-citron dans chaque pichet. Nous allons maintenant couper quelques rondelles de citron que nous allons placer dans nos pichets. Dans chacun de nos pichets, nous allons mettre un quart de nectar de cassis. Maintenant, dans un de nos pichets, on va venir mettre du jus de pomme pétillant bio et dans l'autre, du cidre brut bio. Waouh ! Et maintenant, plus qu'à servir. Passons à la dégustation. C'est ça, goûtons nos fameux cocktails. Alors toi t'as le sans alcool, moi j'ai le avec alcool. Et clairement, déjà ça sent super bon, franchement ça sent vraiment très très bon. À mon avis pour l'été ça, en terrasse au soleil, ça doit être nickel. Ça fait trop penser à l'été quoi. Bon, goûtons. Et bah franchement ça passe crème quoi. C'est vraiment super bon. Tu veux goûter la version alcoolisée? C'est carrément bon. Franchement, c'est super fruité, super. Il y a un petit côté acidulé que j'aime bien moi. Là, écoutez, la version sans alcool, elle passe bien aussi parce que, ouais, justement, il y a moins le côté goût d'alcool et du cidre, mais il y a un petit côté acidulé qui est aussi super sympa en fait. Donc voilà, les amis, si vous voulez retrouver les produits qu'on a eu pour cette vidéo, qui nous ont gentiment été envoyés par les coteaux nantais, vous pouvez les retrouver directement sur leur site internet. Je crois qu'ils font de la. Je sais pas s'ils font de la vente directe ou pas, mais dans tous les cas, vous allez pouvoir retrouver les vendeurs, etc. Je vais mettre des liens en description, ça sera le plus simple. Et voilà, les amis, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous mettre un pouce bleu. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner ici. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À la vôtre, les amis. J'ai même envie de dire. Tchis. À la vôtre, les amis.